Sacs de riz, ustensiles de cuisine, lits et meubles n'ont pas échappé à cet incendie. Ils ont été ravagés par le feu survenu suite à un coup-circuit, selon les habitants. Le matin est en train de préparer lorsque notre voisine a commencé à crier pour dire que la chambre a pris feu. Donc il a pris le feu tout sur lequel il est en train de préparer, il a parlé de près chez les voisins. Donc c'est à mon retour, il ne pourrait plus rentrer pour faire sortir les trucs. C'est là pour nous aussi a pris feu. Ce matin, il y a eu coupure d'électricité aux environs de 9h. Quand l'électricité est venue, il y a eu coup-circuit. C'est ce qui a provoqué tous ces dégâts. Deux domiciles des policiers de la compagnie républicaine de sécurité de Williamsville sont partis en fumée. L'intervention des sapeurs-pompiers militaires a pu mettre fin à l'avancée du feu. Quatre maisons voisines ont échappé de justesse à ce drame. Aucune perte en vie humaine, mais les habitants ont tout perdu.